capable de suspendre la sympathie pour les gens. Ici, Jérémy, qui était frappé par le tremblement de terre, pour les gens dans le sud-est, dans l'ouest, qui étaient morts dans la dernière crise gros la pluie qui fait. Nous autres, nous dans le département de la Grandeur, notamment à Jérémy, dans l'activité symposium sous gouvernance, je dis à la deuxième journée, j'en remarque là, nous avons déplacé en foule. En pile jeunes, en pile étudiants, des professeurs, c'est un public qui est compact, qui est déplacé. Et l'objectif, c'est pour nous mettre sous table le problème de la mauvaise gouvernance en Haïti. Donc, parce que nous estimons la crise que nous vivons aujourd'hui, les gens en Haïti ont déporté à gauche, à droite, les gens qui finissent découragés, la crise d'insécurité, la crise alimentaire, les problèmes de gouvernance, de légitimité de la gouvernance, tout ça est lié à la mauvaise gouvernance. Et de ce fait, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un chita à parler pour une nouvelle implication de la société civile haïtienne dans les questions de la gouvernance. Et le World Symposium, c'est arrivé, chita à jeunes acteurs, conscientiser, motiver pour entrer dans la planification de l'État. Et nous, chaque côté nous fait dans le département, nous entendons que le secteur participe de manière diversifiée, mais tout, nous entendons pour nous sortir quand même avec des pistes de solutions par rapport à problème de gouvernance. Là. Notamment, là, nous gagnons 5 points en général, nous concluons dans chaque département nous passer, qui viennent des éléments nous pour lui faire partie. On a dit en forme de livre blanche pour la population haïtienne, pour n'importe qui qui va le diriger, il faut prendre en compte l'élément parce que c'est eux-mêmes qui constituent le fond de nos problèmes. Notamment ces 5 points, nous pensons qu'il faut nous redéfinir l'implication citoyenne. Cette question-là, on parle de société civile, comme si société civile là, on sentait le gain mettre, groupe ça, c'est groupe tel, groupe ça, c'est groupe tel. Non, il faut nous reconstituer la société civile haïtienne. Deuxième élément qui est important et que nous attendons dans ce symposium, c'est replanifier l'État. De la replanification de l'État, la nouvelle planification de l'État, nous revoyons en profondeur le système qui est établi, qui portait malheur à peuple haïtien, qui créait un bon déshérité, qui créait un bon monde qui vulnérable dans la société. Et troisième élément, c'est élaboration, c'est plaidoyer pour élaboration budget national. Dans Grandeur, notamment Jérémy, c'est pour la première fois que je viens. Et je viens pour une activité que je prends à cœur, qui est un symposium sur la gouvernance. Et l'intervention a été faite sur le sujet ça, partie politique entre gouvernance et engagement citoyen. Et je vais essayer de regarder qui ça un parti politique qui est. Qui historiographie parti politique en Haïti par rapport à toute autre théorie? Est-ce que ça nous gagne en Haïti? Il y a aussi vraiment des partis politiques. D'essayer de regarder mission parti politique, théoriquement, et mission ça en Haïti, est-ce que vous respectez? Et puis, je regarder en fait la législation haïtienne, qui ça dit, comment les cadrer fonctionnement et financement parti politique. Et puis, je regarder la question de gouvernance. Là. Qui c'est le plus gros concept dans le sujet, parce que les pays ont un véritable problème de gouvernance. Et ça fait dans l'intervention, je vais essayer de montrer que le concept de gouvernance, le thème non seulement son cri d'alarme, son contestation, son position, son positionnement, son compréhension, son évaluation des politiques publiques, son évaluation des institutions républicaines, c'est une évaluation des différentes expériences administratives et politiques en Haïti. Du coup, nous d'accord que le dilemme haïtien est dû à une crise de gouvernance, c'est-à-dire que toute obligation de gouvernance, qui t'a dit que dès que dit gouvernance, ou dit qu'il y a la vie mounioye, est-ce que mon y a vivre dans le monde, est-ce que y a une bataille contre la corruption, est-ce que y a une éducation, est-ce que y a une santé pour mon y a, est-ce que y a un loisir pour mon ici, est-ce que y a une émancipation pour mon. Du coup, dans le travail sujet, nous mettons d'accord les, toutes les dernières expériences montrent carrément. Et pas de gouvernance en Haïti. C'est ça que fait, et moi je participe dans l'initiative. Ça, c'est pour comment nous allons lancer un chantier. Un chantier qui permet que chaque monde qui est là, chaque monde qui tende, chaque monde qui participe, ouais, comment nous allons mettre pion par yo pour sauver Haïti. Parce que Haïti, j'aime dire dans l'intervention, c'est une puissance de souveraineté, c'est une puissance de dignité, c'est une puissance historique, c'est une prospérité. Et nous ne pouvons pas quitter le verre. Discipline que nous ne connaissons pas en Haïti. Et donc, puisque je ne sais pas connaître, c'est ça qui permet de participer dans ce symposium, non? Juste pour nous capables de partager ça nous connaît avec l'autre monde. Mais comment ça nous gagne la caillou
pour yo capable contribuer avec développement localité, yo capable contribuer avec développement et département Grand'Anse, ça nous relève économie sociale et économie solidaire. Grand'Anse c'est un département qui est très riche. Grand'Anse gagne pile richesse là-dedans. Mais richesse ça yo comment nous capable exploiter yo et pour yo même yo capable contribuer avec développement et département et depuis une balle de développement et département de la Grand'Anse nous parler de développement pays hein, parce que chaque grand département yo constitué des acteurs de développement de Haïti. Comment te trouver question yo? Bon, moins te attendre avec plus question parce que c'est un concept qui nouveau. Moi pas tellement joindre trop question mais question que me te joindre de très pertinente par rapport avec préoccupation mon yo question que me te joindre et en termes de préoccupation parce que yo mettez accent sur question de investissement parce que c'est une bagaille nous pas gagner mais comment nous même pendant que nous pas gagner et investissement pas gagner de l'euro pour ça nous même qui dans département nous capable exiger et moun qui représente nous au niveau national et moun qui représente nous au niveau local yo capable voter de loi et loi ça yo y a permettre que nous gagner yo investi dans département yo permettre que moun qui a trouvé dans département yo pas gain intérêt pour al vivre au prince yo pas gain intérêt puis aller et bay Noël dans programme Biden non mais yo veulent contribuer avec développement pays. Maître Ville Jérémy, département Grand'Anse, qu'on aime sous la belle belle bête. Mais moi, tu es présent, moi, là, toujours, m'a suivi avant groupe IGEP et puis bah, équipe de RONEP pour féliciter yo. Moi, je suis venu à fond travail. Ça me t'apprend, mais matérialiser le parité de parole, il faut passer de acte. J'en ai dit, hein, mon garde, moi, jeunesse Jérémy, maintenant, Grand'Anse, il répond présent. Nous avons fait travail là et suivi. Parce que là, nous avons regardé politique dans la Grand'Anse. Politique dans la Grand'Anse, c'est un bagage qui sale. Moi, belle bête, nous avons eu des problèmes avec un pile, même là, c'est sous dom, nous passé, nous avons eu un pouvoir. Mais plus devant, nous avons eu des problèmes avec. Parce que nous avons des propositions de loi, nous avons proposé, et pas ça. Moi, je n'ai pas accepté l'argent. Même si nous avons son travail pour Grand'Anse sortir. Pendant que nous disons ça, nous avons fait une étude sur Grand'Anse. On parle de Grand'Anse d'autrefois, c'était bastion révolution. En plus, on ne parle pas de ça. Avant l'indépendance, Grand'Anse était indépendant. Grand'Anse était indépendant avant l'indépendance. Et ça, plus drôle là, même après l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, on parle que Grand'Anse était à la tête là, il était toujours fidèle avec l'idée de Dessalines, il était gourmand. Toutes les après Christophe et tout, mais après Boyer, au combat. Nous avons même que jeunes, comme jeunesse, que Jean groupe de honnête fait, que lui-même continue à faire, que la presse mette main avec les gens qui ont idée ça, pour qu'on puisse faire un travail. Parce que vous proposez projet, tout pays a proposé à Haïti pour y aller. Pour aller, pour qui raison? Parce que nous avons des réserves naturelles, nous avons des bagages là, car nous avons besoin pour nous prendre. Là, il n'y a pas de monde qui a pensé qu'ils allaient faire. Nous allons venir prendre un propre exemple. Si nous sommes capables, en tant que journalistes, nous allons mener une enquête. Nous parlons que la mère Grand'Anse a des séries délinquants. J'entrais dans le flibus, ils ont été volés, Américains étaient venus, ils ont pillé. Maintenant, après, ils laissent par le temps de parler des tremblements de terre. Qui va une fois à peine. Même d'après moi que le mouvement continue comme ça, mais il faut la presse pour te parler, pour nous capable aider by backup. Fait jeune n'a connaît que principal ennemi, ce n'est pas nous-mêmes haïtiens, c'est mal fini. Lundi mal fini, jeune go, c'est blanc américain. Lundi blanc américain, il y a des gens qui pensent que c'est américain. Mais il faut connaître la misère du peuple noir. Commence avec l'église catholique. Féliciter staff. Qui a organisé symposium sur la gouvernance Grand'Anse. C'est une bonne initiative. Et moi, campé derrière lui en tant que jeune. Ma motivation par rapport à l'activité, ça, c'est que c'est pour la première fois depuis m'attendre anciens dirigeants ou intellectuels PIA, c'est pour la première fois que je rencontre une telle activité, surtout la Grand'Anse. Donc, attendre PAM sur l'activité, ça. C'est ouais nous laisser et étape théorique yo nous pas seulement parler parce que un auteur qui dit et quand dire c'est faire. OK, quand dire c'est faire.
puisque vous venez avec de bonnes théories, demandez pour vous mettre en pratique et puis pour vous capable de permettre le pays à avancer. Parce que avec activité ça, nous sentons le pays a gagné des portes qui prennent ouvertes et puis pour le développement capable de faire un chemin. Et avant tout, je vais présenter mon nom, c'est Jimmy Pierre, moi c'est un agronome. Moi évolué dans le département Grand Est. Je pense que c'est une belle journée. Avec, surtout avec l'intervention du député de Honnête qui aide nous à comprendre donc, en situation de société et surtout comment la classe politique a fonctionné aujourd'hui et lui fait nous comprendre qui rôle l'État dans la question de bonne gouvernance. Je pense que nous avons pile qui là, nous pouvons faire des efforts pour nous dans le choix nous faire. C'est-à-dire nous avons quel choix pour nous faire. Parce que il y a un pile bagaille qui dit, mais il dit de manière théorique, mais nous-mêmes, il retient que nous-mêmes pour nous mettre en pratique. Il y a une façon que pour payer pour allumer. Parce que nous avons un pile monde, un jour et jeudi, mais l'air fait choix, c'est parce que il fait mauvais choix, parce que il n'a pas une bonne compréhension des choses. Mais avec une formation, ça aussi, je pense que nous-mêmes, en tant que jeunes, nous sommes capables de faire des choix éclairés, il y a une façon pour nous faire l'air fait choix, pour nous faire des choix cap utile nous demain. Parce bon, j'ai trouvé l'échange était extrêmement important. Moi-même, personnellement, moi vraiment fortifié. Et moi, après, j'ai pile bagaille en tant que jeune universitaire par rapport à l'intervention qui était faite en dehors. D'ameblement, ok? Et l'esprit. Donc, c'est un paquet de jeunes qui est là, nous apprenons en pile. Donc, parler de gouvernance, de décentralisation de. Je peux prendre? Ok. De décentralisation de. Et bonne gouvernance, gouvernance locale. Donc, je pense que nous apprenons pile. Nous apprenons pile et je remercie IGEP, spécialement ex-député David Zéonet qui est venu avec l'initiative là. Donc, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Tout est. Où tu as remarqué, foule là, en pile jeune, surtout jeune, tu réponds présent avec l'activité. Ah bon, à tout le monde, c'est que les jeunes mettent en pratique et tout ça apprennent aujourd'hui pour participer dans le changement ou plutôt dans la décentralisation, dans la bonne gouvernance communauté. Donc c'était amusant d'un côté et c'était très fructif. Donc m'apprends en pile. Alors moi, participer là dans deux jours de formation ça. Et ce forum qui t'a fait là dans le département Grand Est, spécialement commune de Jérémy. Et moi, content et je suis satisfait et pour le gros travail ça qui vient de faire là. Et je m'a regardé, c'est le premier département que le député de Honnête a choisi pour venir lancer mouvement ça et pour former la population, pour montrer la population qui doit et devoir et qui ça même doit attendre des gouvernements. Et qui gagne là dans le pays, et comme moun kap décide et l'an noyo. Alors, c'est raison ça et qui fait, et moun kap abdou moun d'accord, et moun senti moun content, et en pile moun moun sa yo, et moun kwa y apren ça comme exemple pour yon capable aller dans la section communale pour yon partager et ça yon se prend là, pour moun kap abdou sauver le pays qui c'est Haïti. Bon, attente moun, c'est à yon continuité, et pour ta capable gagne yon réseau qui monte. Et qui pour former l'autre monde qui est dans la section communale, qui n'a pas de chance pour venir là. Tripotal Lakay, c'est un plaisir pour que nous en grandissons. Et nous-mêmes, nous sommes Daniel Jean, et nous représentons Kadepanip, et coordination des associations pour le développement et la promotion de l'agriculture de la région de NIP. Et non seulement ça, nous choisissons de participer dans. C'est pour ce moment, côté que Négio a parlé de bonne gouvernance. Et nous sentons que, en plus, le monde réjouit de formation, ça, et nous venons remettre dans le département. Et tout, gain succès. Donc, et après la participation, nous m'attendons que le pays a lui-même les soutes pour que gain une bonne gouvernance. Et une gouvernance qui prend chita sur plusieurs axes. Et nous croyons que nous avons travaillé sur la décentralisation. Et nous avons travaillé sur deux concentrations. Et nous avons travaillé aussi et sur ce que les plans budgétaires externes, pays,
côté que section communale yo pas consacrer les budget, côté que en pile monde travaille en dehors, yo pote l'argent la ville, l'argent pas retourner prend yo vinn joindre yo. Nous croyons que c'est pral un travail qui pral fait à travers pays pour que nous faire jeunesse là intégrer pour le compte qui sacre les budgets, pour le compte qui ça que l'état gaspille. Donc je dis à quoi c'est pour nous, c'est un grande première pour le département de la Guadeloupe. Et ceci nous commencer à travers le sud-est, le NIP. Très bientôt nous pourrons aller dans le nord, nous pourrons aller après retourner dans le NIP pour que nous fassions et travail ça pour nous ouverger la jeunesse. Parce que c'est l'heure pour y intégrer total à travers ce qu'a fait dans le pays.